Comment est-ce que vous avez choisi la parcelle pour faire ce pré-verger? Donc ce pré-verger, bah déjà c'est une parcelle qui existait déjà. Donc c'est des pommiers qui ont été plantés aussitôt la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un autre agriculteur qui l'exploitait. Moi je l'ai que depuis une dizaine d'années. Donc à ce temps-là, il y a 3 hectares. Donc il manquait une centaine de pommiers dedans, donc je les ai replantés, et puis j'ai retaillé tous les pommiers, j'ai enlevé le gui parce qu'il commençait à être infesté de gui. Donc voilà, j'ai remis tout en état. Voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à continuer la mise en place, l'exploitation. Donc voilà un jeune que vous avez replanté il y a peu. Ouais, il y a 5-6 ans déjà. Celui-là, ouais. Il a 5-6 ans. Ouais, bah, tous. Bon, après, il y en a, ils poussent plus ou moins vite. Hein. Voilà. Alors là, est-ce que vous pouvez me réexpliquer porte-greffe, intermédiaire, variété, comment vous avez choisi ça, sur quelle base? Ouais, alors déjà, c'est avec. Oui. Après, je vous poserai la question sur les protections, ouais. Et tout ça. Déjà, bon, quand j'ai voulu replanter, je me suis déjà adressé à l'atelier agriculture avec nouveau tirage. Hein. Donc c'est une association d'agriculteurs qui les aide sur le volet verger. Après, ils ont la filière bois énergie aussi à côté. Donc j'ai demandé des renseignements pour savoir toutes les variétés locales, voilà. Hein. Donc en ce qui concerne l'arbre, donc il faut savoir qu'il faut 5 ans pour faire un arbre aux tiges avant de le replanter. Donc on commence par la graine qui donne un arbre. Cet arbre, on le recoupe à 20 cm de hauteur pour le regreffer avec une greffe plus ou moins vigoureuse, suivant les variétés que l'on veut mettre en dernière étape. Et donc après, ça doit être, je ne sais plus les années non plus, mais 2 ans après, je crois, ou 3 ans, on les recoupe à 2 mètres, 2 mètres 20. Et là, on les regreffe avec la variété que l'on choisit. Après, c'est monté en axe vertical. Hein, donc c'est taillé pour qu'il n'y ait qu'un axe. Il faut que la tête domine toujours les bras charpentiers sur le côté. Moi, je croyais qu'il fallait faire des gobelets en pré-verger. Non, le gobelet, c'est ce qu'on voit avant. C'est ce style-là. D'accord, oui. Mais bon, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de surface, qu'il n'y a pas de pommes. Donc c'est pour éviter ça qu'on met en axe vertical. D'accord. En principe, il va y avoir des pommes jusqu'au cœur de l'arbre. Ouais. Celui-là d'arbre. Oui. Vous en êtes satisfait ou pas? Oui, c'est de la bonne pomme. Ouais. C'est de l'Ontario, ça. Il y en a que deux. J'en ai mis que deux, c'est pareil, c'est des variétés, bon, on ne connaissait pas trop. Bon, ils sont du nord de la France. Ouais. Après, quand on en met beaucoup, on peut se permettre des essais, dire voilà. Et cet arbre-là, hors variété, la forme? L'état sanitaire, tout ça, vous... Ah bah, l'état sanitaire, il n'y a jamais rien eu de fait dessus. Ouais. Aucun traitement, il n'y a rien eu de fait dessus, ouais. Ces arbres-là. Bon, après, on peut en avoir qui peuvent avoir un peu de chancre, des trucs comme ça, mais... Il n'y a jamais rien eu de fait dessus. Après, bon, il y a juste eu de la taille, hein. Bon, on le voit. Hein. Il y a des tailles qui ont été faites. Hein. Oui, d'accord. Pour monter un peu... Pour monter l'axe, oui. Ouais. Parce qu'après, si vous avez une latérale qui est plus grosse que l'axe vertical, c'est elle qui domine, ouais. Et c'est elle qui va prendre le dessus. Ouais. Ah. Par rapport au bovin aussi? Il ne faut pas qu'il y ait des branches trop basses. Oui, trop basses, ouais, parce que sinon, après, avec les pommes, les branches, ils s'arquent, hein, ils vont faire ça. Hein. Ah. Ouais. Puis après, les grandes, là, ils... quand on arrive au mois d'août-septembre, ouais. Les pommes, ils... Ah. Voilà. On parle parfois de d'étranglement. Ouais. Je veux pas mettre de pommiers dans mes champs parce que mes vaches vont s'étrangler. Mmh. Alors, qu'en est-il? Après, moi je veux dire, j'en ai jamais eu, hein, honnêtement. Ouais. Après, ça peut arriver, c'est quand le bovin cueille la pomme. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. C'est parce que là, elle descend aussitôt dans le gosier, puis voilà. Mais quand elle la mange par terre, il n'y a pas de danger. Ouais. Mais bon, ça, moi, ça m'est jamais arrivé, honnêtement.
septembre. Les bovins, on les enlève que début septembre, il y a déjà des pommes, tout ça. Ah. Non, non. Hein? Et... Sois curieuse. Hein. Ah ouais, bah les Montbéliardes surtout. Ah. Ah, y en a, ils sont embêtantes. Hein. Ah. Ah, voilà.